elle aime quand c'est brossant, quand c'est brossant. Elle aime les mauvais garçons, les mauvais garçons. Là je suis dans la. Yo, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le beat du Kaaris et du Frank Lish. Donc je vais te montrer comment c'est assez facile de pouvoir reproduire les instrumentales dès lors que tu as des stratégies et les techniques de composition. Donc tu vois ici le tempo il est à 116. Ah, ok. Donc ça veut dire que maintenant on va essayer de faire d'abord la mélodie. Voilà, donc dans Purity j'ai pris ce string-ci. Tu vois, string synthé de. Voilà, maintenant j'ai fait des configurations dans le mixeur. Je vais te montrer étape après étape. Donc j'ai mis un paramétrique d'abord, ceci. Tu vois. Et ensuite j'ai mis une reverb. Voilà. Voilà. Ok. Ensuite j'ai mis un autre paramétrique. Tu vois. Maintenant ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soulevé les notes du milieu, en fait, des notes de midi. Je vois ici middle, donc ça veut dire que ici, tu as les notes basses, là au basse, ensuite tu as midi, là au midi, et ensuite les notes de triple. Donc c'est comme ça que facilement tu peux gérer tout ça. Voilà, ensuite j'ai mis un autre paramétrique. Tu vois? Maintenant on va voir comment j'ai déposé les notes dans le piano roll. Donc j'ai déposé les notes comme ça. Donc tu vois, ces notes-ci sont très importantes parce que les notes aiguës permettent de pouvoir avoir la sensation aiguë, donc une sensation vivante de la mélodie. Et ensuite, les notes de basse permettent à la mélodie de pouvoir s'imposer, tu vois. Donc maintenant, on va mettre un peu les hi-hats. Tu vois? Maintenant, en plus de ça, dans Nexus, j'ai pris un truc pour accentuer un peu la mélodie. Tu vois ce truc-ci? Voilà. Voilà, donc on était au hi-hat. Voilà. Maintenant, tu vois que j'ai mis une 808 ici. Donc tu disposes les notes de la 808 comme ça pour avoir cette sonorité-ci. Ça, j'ai slidé ça. Tu double-cliques. Pour faire un slide, il te suffit tout simplement de double-cliquer sur la note. Voilà. Et ensuite, tu cliques sur slide et tu cliques sur accept. Il te slide la note automatiquement. Maintenant, j'ai mis voilà, un tabla. Et dans ce tabla, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la reverb, en fait. Tu vois?
Tu vas voir que c'est assez facile. Voilà, tabla, tu vois. J'ai mis aussi un métro rime. Voilà, et maintenant tu mets un kick là. Ok, donc si on arrive à la fin de la vidéo, si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu, partage au maximum toutes les différentes personnes qui aiment pour le favor. Abonnez-vous, partagez les différents liens, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour avoir 4 packs de compositions qui vont te permettre de pouvoir t'améliorer et pouvoir refaire les instrumentales des artistes comme tu viens de le voir. Clique juste dans le lien, mets ton email et je t'envoie ça de façon instantanée. Ciao.